Avant que la vidéo commence, je tenais à m'excuser, mais vraiment m'excuser parce que quand j'ai commencé à filmer mon écran d'ordinateur, bien sûr, mon ordinateur n'a fait qu'à lui. Il n'a pas voulu enregistrer ma voix. Et de deux, l'enregistrement de ma DS n'a pas voulu non plus se faire. Donc, j'ai dû improviser en prenant des screens. Et toutes ces vidéos vont du coup être faites en voix off. Je suis vraiment désolée. Si c'est mal positionné sur les voix, je tiens à m'excuser. Et d'ailleurs, si vous n'avez pas vraiment une console hackée, voilà, vous voulez juste apprendre des choses, vous avez le droit. Mais si vous n'avez pas une console hackée et que vous en avez à foutre des hacks, ne restez pas sur la vidéo, vous allez perdre votre temps. Et voilà. Du coup, je vais présenter la vidéo juste après. Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui c'est Office, voilà, on se trouve sur une nouvelle vidéo. Je vais vous montrer comment, bien sûr, installer un jeu CIA plus le mot de passe pour décompresser le fichier. Tout d'abord, voilà, je vais supprimer l'onglet. Attendez. Voilà, on supprime l'onglet. Bah, j'en ai créé un nouveau avant. On marque 3ds.cia. J'ai mal écrit un 3DSCIA.com. Là, vous faites votre recherche. Ça va vous lancer vers un site avec plein de jeux 3DS. Moi, pour lycée, je sais pas quel jeu encore je vais prendre. Ah, bah, Farming Simulator, je vais télécharger ça. Je sais pas encore, du coup, voilà. Donc maintenant, là ça vous fait la première page, c'est à bugger, du coup vous coupez la deuxième page, vous revenez sur la première, ça va être lancé. Vous cliquez sur Mega et Europe Download. Car moi le Europe, je trouve il prend un peu moins de place, mais au final je vais quand même prendre l'USA. Non, je sais plus très bien. Là j'ai pris l'USA moi parce que tous mes jeux je les prends en USA. Là, petit chargement, vous arrivez sur cette page adf.com. Normalement en haut à droite il est marqué patienter 0 secondes et tout. La texte arrive en jaune, passez l'annonce, vous cliquez dessus et vous supprimez votre ancienne page. Je crois que je vais le faire un petit peu plus tard. Voilà, après je vais vous montrer parce qu'il y a deux façons. Voilà, je ferme la page, ferme la méga aussi. Des moments ça vous lancez votre jeu en téléchargement, ça vous envoie vers une nouvelle page vierge. Voilà, il y a ça. Il faut surtout pas cliquer dessus. Hop, c'est rien, il n'y a pas les trucs comme je vous ai dit. Oui, voilà, j'ai l'air. Là, normalement, ça vous aura remplacé la page de téléchargement de tous les CIA des jeux sur la page pour télécharger Farming Simulator 18. Là, on passe l'annonce. Ça revient même dans les deux cas. Hein. Boum, là, ça nous envoie vers le fichier méga. Bon, faut attendre un petit peu. Moi, en plus, j'ai pas un très bon PC, du coup, c'est plutôt lent. Voilà, là, vous cliquez sur télécharger. Moi, je vais annuler le téléchargement car bah, je l'ai déjà. Et là, on se retrouve sur les screens. Maintenant, là, on se retrouve dans les fichiers. Vous allez faire clic gauche, clic droit sur votre fichier, extraire ici. Voilà. Là maintenant, vous allez cliquer, vous allez avoir ça. Si vous avez déjà le fichier 3ds.cia, vous cliquez OK, aucun problème. Le mot de passe est 3ds.cia.com. Je vous le donne comme ça, en écrit comme ça, moi vous faites pas de faute, tout est clair. Maintenant, vous cliquez sur OK, il va avoir un chargement. Ensuite, voilà le chargement. Il y a toujours le chargement. Maintenant, voilà, vous avez votre fichier. Vous allez insérer votre micro SD dans votre ordinateur portable.
ou votre carte SD avec un adaptateur, comme vous le souhaitez, vous le mettez dans votre fichier CIA. Ensuite, voilà, vous l'avez mis, c'est bon. Vous faites clic droit sur votre dispositif, votre micro SD, éjecté. Maintenant, arrivez sur la DS, vous lancez FBI. Arrivez dans FBI, vous allez cliquer sur SD. Et dès que vous allez arriver sur SD, vous allez cliquer sur CIA. Du coup, maintenant, vous allez cliquer sur Farming Simulator 18. Vous, il sera marqué entre parenthèses Europe ou pas. Après, quand vous avez cliqué dessus, installer une DLL CIA. Et puis là, vous faites Yes, du coup A. Là, il va avoir un chargement. Faut attendre, hein, bien sûr. Mais ça va, ça prend pas si longtemps que ça. Là, j'ai oublié une interface où il y a marqué valider. Vous cliquez sur A. Maintenant, vous cliquez sur le bouton menu Home. Ça va vous dire un ou plusieurs logiciels ont été ajoutés au menu Home. Là, vous cliquez sur OK. Après, vous, voilà, vous avez Farming Simulator. Maintenant, vous pouvez pleinement jouer à votre jeu hacké avec FBI en CIA.